Je te reconnais maintenant. Ouais. Non, là, je m'en loue. Bonjour. Vous venez pour contrôler un de nos collègues, non? Oui. Donc nous on dit stop au contrôle. Il n'y aura pas de contrôle. L'équipe qui bloque, c'est nous, des équipes locales. On dit stop au contrôle, vous ferez remonter l'information, pas de souci. Et de toute façon, tout contrôle qu'il y aura maintenant sur le département sera bloqué. Donc le pourquoi, c'est des suites de la manif de Paris, quoi. Ouais. Donc on continue à garder la pression. Aujourd'hui, on nous impose des contrôles. Nous, on veut du prix, on n'a toujours rien. Donc, voilà. Après, je ne sais pas, dites-nous Paris, ce qui s'est passé à Paris. Donc nous, on dit stop au contrôle. Donc là, on bloque sur la voie publique la voiture de vos contrôleurs. Ils n'iront pas sur l'exploitation. Honte. Ouais. Par contre, voilà, nous, ce qui aurait été bien, la DTM, je pense que la sous-préfète pourrait au moins se déplacer. Je pense qu'elle pourrait au moins venir sur le contrôle, là où nous, on bloque. Ça aurait été bien, éventuellement. Oui, ben de toute façon, le contrôle, c'est sûr qu'ils ne vont pas le faire, puisque nous, on bloque, ils ne le font pas. Mais nous, aujourd'hui, on veut un discours clair et précis, et on veut se faire entendre, donc on veut stop au contrôle, et on veut un discours sur place. Donc on aimerait avoir ou un responsable qui vienne sur place, ou alors la sous-préfète se déplace, puisque elle, de toute façon, c'est la préfecture, donc j'estime qu'elle pourrait venir nous voir sur place. À la suite, de maintenir la pression par rapport à Paris, nous on dit stop au contrôle, le temps que ça arrête. Les contrôles, on est harcelé tous les jours de contrôles. Et aujourd'hui, c'est pas ça qu'on réclame, c'est on veut du prix. Donc, nous, on espère qu'une chose, c'est que vous allez en prendre conscience et faire remonter l'information au plus vite. Parce que là, la situation dans les exploitations est dramatique. Aujourd'hui, on vient de nous imposer des contrôles. On est là pour le bloquer, mais un jour ou l'autre, on sera pas là pour bloquer. Et il y arrivera des drames aux contrôleurs. Et ça, je crois qu'il va falloir le comprendre. Ils sont où, les contrôleurs? 15h l'après-midi, enfin, vous ou vos services, était au courant depuis 15h l'après-midi qu'on allait débarquer chez vous à sous-préfecture. Personne pour nous recevoir, je le rappelle, personne. Ouais, personne. À côté de ça, plutôt que d'avoir des discours, tout s'est envenimé, tout s'est échauffé, on nous a gazé. Et ça, vous pouvez pas dire le contraire. Et qui c'est qui a coupé les fils d'alimentation de la vidéoprotection et tagué les caméras de vidéo? C'était peu de choses. Il valait encore mieux ça que sur la grille en l'air. C'est bien bon. Le sous-préfet de Guingamp nous a fait croire pendant une heure qu'il allait venir alors qu'il n'avait jamais eu l'intention. Ça coûte combien ça? Nous c'est le minimum ce qu'on a fait. Hein. Si le nécessaire était fait, on n'y arriverait pas à ça. Bah non, mais c'est pas non. En allant à la. Parce que nous, ça nous embête bien. Monsieur, c'est pas l'affrontement qui résoudra les Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on veut des solutions. Aidez-nous, ou je sais pas, faites remonter la cause. Le souci, vous voulez essayer de prendre du fric où il y en a encore pour payer les gens qui foutent rien. Le préfet est très mobilisé sur ces questions-là. C'est les immigrés, non, tout le monde est mobilisé aujourd'hui, sur les agriculteurs, personne. Pour qu'il y ait des corrections sur les logiciels, notamment les logiciels de l'aide de l'agence de paiement. Donc écoutez, il y a une vraie mobilisation sur les questions qui vous préoccupent. Et vous ne pouvez pas dire qu'il y a du mépris. Des paroles. Ah si, des paroles. Des paroles. Du vent.